Au sein du chantier d'insertion, nous proposons des contrats de travail qui sont des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion. Donc en fait, ce sont des contrats classiques, mais qui ont cette particularité d'être ajoutés avec une partie insertion. Et ces contrats sont d'une durée de 4 à 6 mois, sur une durée classique de 24 mois maximum. Au sein du chantier, le contrat de travail est assorti de deux grandes activités, le poste de travail et l'accompagnement socioprofessionnel. Donc cet accompagnement socioprofessionnel est destiné à faire évoluer le parcours de la personne pendant le temps de son passage sur le chantier. Et cet accompagnement va être individualisé, personnalisé et en lien avec les objectifs de chacun. En ce qui concerne les thématiques abordées dans le cadre de cet accompagnement, que ce soit en individuel ou en collectif, on va pouvoir travailler sur tout ce qui va freiner, empêcher l'accès à la formation ou l'accès à l'emploi. Nous partons du principe que chaque salarié en insertion est acteur de son parcours. C'est lui qui doit se saisir des actions que nous proposons et il n'y a que lui qui va pouvoir mettre en œuvre ses actions, la dynamique qu'il va pouvoir impulser dans le cadre de son parcours. Nous, on va être là en tant que soutien, mais c'est vraiment le salarié qui est le moteur de tout ce qui va se passer pour lui, pour son parcours. Les objectifs de l'ensemble de l'équipe pédagogique du chantier est de permettre à chaque salarié d'utiliser le parcours comme un tremplin vers une sortie positive qui réponde à ses attentes, à ses besoins, à son projet et à ses aspirations personnelles et professionnelles.